Alors, on va commencer tout doucement. Christine Mellouche, je disais, je suis la présidente de PGE-PGEO, qui est un institut qui veut dire donc PGE-PGEO, préparation aux grandes écoles, préparation au grand oral. Aujourd'hui, il s'agit d'une conférence 2, d'une série de 4 conférences. La première conférence a eu lieu la semaine dernière et est enregistrée. Vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors, les 4, pardon, conférences sont dédiées à un thème qui est quand on est parent, comment on peut aider son fils ou sa fille, sa fille ou son fils, je vais y arriver, au lycée et plus particulièrement en terminale, parce que c'est une année essentiel et assez compliqué pour tout le monde d'ailleurs, et c'est important que tout le monde puisse participer. Donc le premier thème que j'ai abordé la semaine dernière et qui est donc enregistré, c'est un thème autour de l'orientation. Donc j'ai partagé des conseils. Alors je vois Hélène qui dit non, pardon, tout ne va pas bien ou tout va bien? Non, vous n'avez pas droit à tout va bien et vous n'avez pas accès à la vidéo au micro, c'est ça que je dois décoder. Je pense. Pardon de mettre un thème. Merci. Donc, je disais, la première conférence a été dédiée à des conseils d'orientation, par exemple des questions qu'on doit se poser quand on est étudiant pour commencer à construire ce projet. Également, un point très important quand on est parent, parce que c'est vraiment un rôle qu'on assume pleinement, c'est celui de mettre du temps, de timekeeper, comme disent les Anglais, donc d'avoir le calendrier en tête avec toutes les étapes les plus importantes à ne pas rater. Donc, ça, c'était la semaine dernière. On attaque là trois conférences sur un deuxième type de sujet qui sont les conseils et méthodes pour réussir au lycée. Donc, on est là vraiment sur de la méthode pour réussir, comment mieux travailler au lycée. Aujourd'hui, on va parler de l'attention en cours essentiellement. Et j'ai déjà enregistré une vidéo sur comment mieux mémoriser ses cours et une vidéo comment être un peu plus à l'aise pour comprendre le sujet de la compréhension qui est toujours très compliqué. Alors, l'ensemble de ce contenu sera disponible donc sous forme de vidéo. Également, les PowerPoint associés, les diapositives associées, vous seront envoyées par mail dans la foulée, dans quelques jours. Et les liens pour retrouver les vidéos sur YouTube sont également intégrés dans les mails que vous allez recevoir. Donc, tout ce que je dis, tout ce que nous allons voir, vous pourrez le retrouver et probablement, j'espère en tout cas, le partager en famille. Alors, avant de rentrer plus dans le cœur du sujet, quelques mots de présentation. Donc, nous sommes un organisme qui a été créé en 2004. Donc, nous avons entre 17 et 18 ans, presque l'âge des étudiants qui sont aujourd'hui en terminale. Nous sommes dédiés à la préparation au concours, école de commerce, ingénieur, Sciences Po et IEP, post-bac, bac plus 2 également, bac plus 3, 4, mais également à l'accompagnement pendant le lycée sur les épreuves du bac et sur les épreuves de spécialité. Pourquoi? Parce qu'on sent bien que de plus en plus, les notes du lycée et ce fameux dossier est important pour la poursuite d'études et que nous sommes là pour accompagner les étudiants pour qu'ils aient accès aux meilleures des études supérieures, en tout cas celles dont ils rêvent. Voilà. Concrètement, derrière cette introduction générale, nous avons des dispositifs donc sur les concours, des dispositifs qui se veulent vraiment très progressifs pour être adaptés à chaque besoin et à chaque profil, et vraiment à chaque fois des dispositifs qui sont très courts. On privilégie l'efficacité. On sait que l'année de terminale est une année extrêmement dense et qu'il faut faire le plus intensif et le plus efficace possible. Donc, à titre d'exemple, vous avez des stages découvertes de 3 jours qui peuvent se passer en ligne. Vous avez des stages intensifs de préparation aux épreuves de 5 jours. Vous avez ensuite des stages dernière ligne droite pour compléter ou pas, ou uniquement pour ceux qui ne veulent se préparer qu'au dernier moment de 3 jours. Bien sûr, des concours blancs supplémentaires, des renforts dans certaines matières, de l'oral. Vous retrouverez tout ça, bien sûr, plus en détail sur notre site. Et sur le lycée, vous allez avoir des stages à la fois sur de renforcement sur les matières des spécialités pendant les vacances de Noël et pendant les vacances de février, mais comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, des stages également pour préparer les différentes épreuves finales du bac qui sont aujourd'hui le français, la philo et puis le fameux grand oral qui a lieu à la fin de la terminale en mai-juin. Alors, c'est dans ce contexte de la préparation, enfin, de l'accompagnement, pardon, en spécialité, en terminale, en première, que s'est montré de plus en plus, de manière importante,
l'importance, l'efficacité des méthodes, soit des méthodes associées à une matière, typiquement comment progresser dans les méthodes de résolution sur les matières scientifiques, par exemple, comment progresser dans les méthodes de rédaction sur les méthodes plus littéraires, comment problématiser un sujet. Mais au-delà de ces méthodes qui sont travaillées dans les stages matière par matière, discipline par discipline, au-delà finalement l'importance de méthodes de travail pour réussir. Et vous allez le découvrir, je l'espère, avec moi. On se rend compte qu'être étudiant, finalement, c'est un métier à part entière et qu'il y a des compétences à avoir et qu'il y a des façons de faire qui peuvent vraiment faire gagner du temps, faire gagner en efficacité, faire gagner en confiance et à la fin, bien sûr, faire gagner en résultat. Donc, ce sont ces méthodes qu'on partage avec les étudiants en direct, bien sûr, mais qu'on va aussi partager ensemble. Ce travail, il est issu du travail qu'on fait depuis très longtemps des grands pédagogues connus par tous les enseignants. Mais également, on a souhaité rajouter, on va commencer par ça ensemble, l'éclairage des neurosciences, qui sont bien sûr plus récentes. Cet éclairage, et grâce en particulier aux images du cerveau qu'on a désormais, apporte un élément d'explication qui, je trouve, permet de mieux comprendre pourquoi certaines méthodes sont proposées et en quoi elles sont importantes, et les rendre crédibles et donner envie d'ailleurs de les utiliser. Donc, c'est pour ça que associer la pédagogie et les neurosciences est quelque chose dont nous pensons que c'est efficace. Les étudiants, en règle générale, sont très intéressés quand on leur parle de leur cerveau et comment il apprend. Alors, pourquoi ces conférences destinées à des parents, en plus de celles qu'on fait, du contenu qu'on partage en stage avec les étudiants? Parce que, comme je le disais en introduction, bien sûr, vous avez un rôle à jouer. Alors, bien sûr, il n'est pas dans notre objectif de faire de vous des experts. Quand je parlais d'orientation, je n'avais pas en tête de faire de vous un expert, un conseiller d'orientation. Là, je n'ai pas non plus en tête de vous de faire ni un expert, ni un prof, ni un expert en neurosciences. Mais je pense que le fait de partager ce contenu avec vous peut vous permettre de sensibiliser sur certains sujets. Donc, pour tout à l'heure, la dernière fois autour de l'orientation et du parcours sup, je me suis permis de faire un focus sur une fiche avenir. Je pense que c'est important que les parents connaissent l'existence de cette fiche et expliquent aux étudiants comment optimiser cette fiche qui est remplie par les établissements et par les professeurs. Là, aujourd'hui, je pense que vous pouvez avoir un rôle certain sur l'utilité des méthodes de travail. L'important, c'est comment elles peuvent faire gagner en efficacité. Un autre point, un autre rôle que vous pouvez aussi avoir, c'est donner des repères. Donc, je vous ai expliqué que précédemment, j'ai partagé avec vous la liste de certaines questions qu'on peut se poser pour construire son projet d'orientation. Là, vous allez voir en fin de session la proposition d'un planning de révision le plus efficace possible. Ou bien, on va parler, par exemple, du sommeil aussi. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment un apport, une valeur que vous pouvez avoir auprès de votre fille ou de votre fils. Et puis, bien sûr, on le sait, les parents, c'est toujours les garde-fous, en particulier, bien sûr, sur le sujet du planning. Et c'est pour ça que j'ai partagé précédemment ce calendrier type avec les points de vigilance absolue. Alors, ce contenu, on va le regarder ensemble, puisqu'il sera à disposition. Bien sûr, je vous encourage à le partager en famille dans un deuxième temps. Bienvenue à Simona qui vient de nous rejoindre. Je crois qu'elle n'était peut-être pas présente tout au début, donc bienvenue et ravie que vous soyez avec nous maintenant. Alors, ce que nous allons voir, à la fois des conseils très pratiques style boîte à outils que vous pourrez partager directement, mais aussi, comme vous l'avez compris, du contexte autour du cerveau et comment ça fonctionne, cette boîte noire. Ce que je voudrais vous dire en introduction complémentaire, c'est qu'il y a clairement des généralités, des passages obligés pour nous tous. On parle souvent de mémoire à long terme, de mémoire à court terme, ce genre de choses, c'est vrai dans tous les cerveaux. En revanche, il y a aussi des préférences, des personnalités, et à partir de ces préférences et ces personnalités, des adaptations qui seront nécessaires d'un étudiant à l'autre. On a tous déjà entendu un peu parler de certains d'entre nous sont plus visuels, d'autres auditifs. Bien évidemment, les méthodes, il va falloir se les approprier et faire en sorte qu'elles soient les plus faciles, les plus aisées, donc les plus efficaces pour chacun d'entre nous.
Alors, introduction sur le cerveau. Je me suis permis de citer le président actuel du MIT, donc aux États-Unis, qui dit, alors je l'ai un peu tordu le truc, qui dit comment peut-on apprendre, ou comment peut-on enseigner plutôt. D'ailleurs, il parle de ses professeurs, si on ne sait pas comment le cerveau apprend. Eh bien, j'ai envie de dire pour les étudiants, comment peut-on apprendre et donc réussir si on ne sait pas comment son propre cerveau apprend. Et donc, il y a vraiment quelques idées fortes à partager, et ce sont ces idées que nous allons voir aujourd'hui, et puis dans les vidéos, si vous avez à cœur de les visionner un peu plus tard. Première des choses à savoir, c'est que l'homme, parmi tous les mammifères, est un grand prématuré. On l'a tous, je pense, réalisé quand on regarde dans la nature un jeune poulain, un jeune faon. Qui dès la naissance est capable, quelques minutes après, de se dresser sur ses jambes, même si elles sont chancelantes, et de partir en gambadant assez rapidement. Le bébé humain est bien loin de ça, bien loin de ça. Il y a d'ailleurs des raisons physiologiques, hein, de la taille du cerveau pour pouvoir naître, la posture à la verticale également. Il y a plein de raisons, et je ne vais pas rentrer bien sûr dans ces détails-là, qui expliquent cette naissance un peu prématurée. Donc l'homme n'est pas achevé. Et derrière cet inachèvement, il y a finalement une nouvelle très, très optimiste, très positive, qui est que parmi tous les êtres vivants sur Terre, le cerveau de l'homme est la plus merveilleuse machine à apprendre. Le cerveau de tous les animaux permet d'apprendre, mais vraiment le cerveau humain est une véritable machine à apprendre qui a des capacités absolument incroyables. Alors un cerveau, c'est quoi? C'est des neurones. Je me suis permis d'aller récupérer sur Internet un graphique un peu simplifié qui montre qu'un neurone, c'est d'un côté un récepteur, c'est ce qu'on appelle le noyau là, et ensuite des transmetteurs, des petits fils, des prolongations nerveuses, des terminaisons nerveuses. Et en fait, apprendre, et c'est ce que disent les neurosciences, c'est d'établir des connexions entre les neurones. Donc, c'est en fait faire pousser ces genres de ces axones, ces terminaisons qui vont pouvoir se mettre en contact avec un autre neurone. C'est ça, en fait, le processus d'apprendre, comprendre, mémoriser. C'est grâce à cette poussée à établir de nouvelles connexions que ça va se faire. Quelques chiffres, je trouve absolument incroyables. À la naissance, nous avons entre 80 et 100 millions de neurones. Dès cette naissance, 1 million de connexions par seconde vont se créer. Avec un maximum d'un nombre de connexions qui aura lieu à l'âge de 2 ans. Donc, à l'âge de 2 ans, on a nos 100 millions de neurones et on a toutes nos connexions qui se sont créées, on va dire, peut-être un peu dans tous les sens. Et ensuite, dans un deuxième temps, à partir de cet âge de 2 ans, il va y avoir un tri. Et à l'âge de 16 ans à peu près, on ne gardera de ces connexions que 50%, qu'une connexion sur deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a à la fois établir des connexions, mais aussi détruire des connexions. Ça, c'est quelque chose qu'on a, je pense, tous, quand si on a appris des langues, par exemple, touché du doigt. C'est vrai que quand on commence à apprendre un langage, petit à petit, on commence à avoir plus de vocabulaire et aussi petit à petit, on commence à reconnaître les sons de cette langue. Si on arrête d'utiliser cette langue pendant une semaine ou quelques mois, eh bien, ce qui va se passer, il est clair et évident et obligatoire. Au bout d'un certain temps, on va avoir perdu du vocabulaire, mais on va aussi avoir perdu cette capacité à reconnaître certains sons et donc à reconnaître certains mots. C'est exactement ce processus qui s'est passé. Dans un premier temps, notre cerveau a construit des connexions. Et dans un deuxième temps, puisque ces connexions ne sont pas utiles, eh bien notre cerveau les a détruites, de façon à laisser le plus d'espace possible pour pouvoir construire de nouvelles connexions qui seront plus utiles, puisque peut-être qu'on n'a plus besoin de parler anglais et qu'on va avoir demain besoin de parler espagnol et que ça va nécessiter de nouvelles connexions. Voilà, donc il y a vraiment, on appelle ça la plasticité cérébrale. Notre cerveau est plastique en ce sens qu'il construit et déconstruit en permanence ses connexions et qui nous permet, alors au début de la vie humaine, les chiffres sont phénoménaux, mais pendant toute notre vie, on va continuer à avoir cette capacité de construire et de déconstruire. Et il y a ensuite un deuxième phénomène qui est la myélisation, c'est-à-dire le fait que ces axones soient entourés de myéline, qui est
une sorte de gaine autour des axones qui permet à l'information de circuler plus vite. Ça, c'est quelque chose qui se fait dans un deuxième temps. Tout ça pour dire que finalement, le cerveau humain n'est fini que très tard. Il est fini qu'à l'âge de 25 ou 30 ans. Et ce dernier processus de myélisation, il sera très important sur les phénomènes de la compréhension, par exemple, phénomène dont je traite dans la vidéo qui est déjà enregistrée. Donc, vous pourrez revenir sur ce thème-là dans cette vidéo. Donc, notre cerveau, il a un potentiel incroyable et il n'est pas achevé du tout, mais il est capable de faire pas mal de choses, de construire en permanence. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de garder en tête. Pourquoi ? Et c'est important de le faire passer aux étudiants. Pourquoi ? Parce que la conséquence de ça, elle est géniale de mon point de vue, c'est que l'intelligence n'est pas quelque chose qu'on reçoit. On ne naît pas intelligent ou bête. Or, c'est un peu dans le langage commun et c'est peut-être un peu dans l'imagination commune de se dire « mais moi, lui est plus intelligent, lui est moins intelligent ». Ce n'est pas vrai. En revanche, à travers notre pratique, on est responsable d'être de plus en plus intelligent ou de devenir de plus en plus bête, éventuellement. On construit notre intelligence au fur et à mesure de la façon dont on va se servir du cerveau. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Plus on va se servir du cerveau et plus on va bien se servir du cerveau, plus on va développer ce qu'on appelle nos capacités cognitives, donc notre capacité à comprendre, à mémoriser, bref, à apprendre. Et ça, tout au long de notre vie. En revanche, il est normal que cela paraisse laborieux au début, le temps que ces fameux réseaux se forment. C'est un peu comme si on prenait l'image dans une forêt, les racines des arbres, elles vont se construire petit à petit. Donc, il est normal que ça va prendre du temps. Et même pire que ça, il est normal que ça soit difficile. S'il n'y a pas cet effort qui va être à l'origine même de ces racines qui vont pousser, eh bien finalement, ces racines ne vont pas avoir besoin de pousser et donc elles ne vont pas pousser. Donc, l'apprentissage prend du temps. L'apprentissage veut dire absolument qu'il y a un effort. S'il n'y a pas d'effort, c'est qu'il n'y a pas de véritable apprentissage. Mais en revanche, forcément, si on prend le temps et si on travaille son cerveau d'une façon adaptée, il n'y a pas de raison, aucune raison, qu'on ne puisse pas apprendre correctement, qu'on ne puisse pas progresser derrière. Et ça, vraiment, c'est quelque chose, bien évidemment, que je trouve que c'est une nouvelle qui est d'un optimisme fou et qu'il est important vraiment de partager avec, et que nous partageons avec chacun des étudiants. Pour vous en convaincre peut-être un peu plus, je ne vais pas vous la montrer là, cette vidéo, mais vous pouvez avoir accès sur YouTube, à la vidéo de M. Albert Jacquard. M. Albert Jacquard était un biologiste, un généticien, et c'était également quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé au monde de l'intelligence et a beaucoup fait de conférences à destination des professeurs. Dans cette toute petite vidéo de 5 minutes, il répond, il est interrogé sur un plateau télé, et il répond à la question qu'une petite fille de 12 ans, je crois, lui pose, c'est « Monsieur, vous êtes très intelligent, mais comment je peux faire pour devenir aussi intelligente que vous ?» Et vous verrez la réponse qu'il apporte, qui en deux mots bien sûr, est de dire juste « Eh bien, faites marcher votre cerveau, faites marcher votre tête. » Et la façon de devenir bête, c'est justement de rester devant, je crois que c'est l'exemple qu'il prend, devant la télé avec un paquet de bonbons et de ne pas faire travailler votre tête. Je vous engage vraiment à regarder cette vidéo sur YouTube. En plus, Albert Jacquard est quelqu'un qui a une énergie débordante et beaucoup de conviction. Donc, je vous laisse regarder ça. Voilà, donc en résumé de cette introduction, l'homme est un très grand prématuré. Grâce à ça, finalement, il a un cerveau qui est une formidable machine à apprendre. Apprendre, c'est quoi ? C'est établir des connexions. Le cerveau va les construire ou les déconstruire. Donc, ça veut dire que pour construire des connexions, il faut du temps. Donc, c'est normal qu'il soit nécessaire de prendre du temps, que ça nécessite un effort. Et si on ne le fait pas, si on ne révise pas régulièrement, si on n'utilise pas régulièrement nos capacités, eh bien, le cerveau, il va rester sur le plus utile, l'indispensable, et il va nous faire oublier les choses ou même carrément nous faire oublier certaines choses qu'on avait compris. On va perdre de la compréhension. Donc, c'est important de réviser régulièrement. Néanmoins, il y a des conditions nécessaires. Donc, je vous en ai cité celles qu'on cite habituellement, l'alimentation, une bonne alimentation, une bonne activité physique en particulier, parce que ça permet au cerveau d'être irrigué, d'avoir une meilleure irrigation. Le lien social, nous sommes des êtres de,
de société, et on apprend aussi grâce au lien qu'on tisse avec les autres. Mais ce que je, le mot que j'ai mis en rouge, parce que là, vraiment, on est pile dans le rôle d'un de parent, c'est le rôle eh bien, du sommeil. En fait, en règle générale, on dit que bien sûr ça dépend, mais qu'il faut compter 7 heures de sommeil par jour pour un étudiant au lycée. Et c'est très important parce que beaucoup d'étudiants peuvent parfois, à la veille d'une épreuve ou à la veille d'un devoir à rendre, se dire qu'ils vont économiser un peu de temps de sommeil pour passer un peu plus de temps à réviser, à peaufiner leurs devoirs. Peut-être qu'à court terme, c'est un calcul qui va être payant. Ce qui est certain, c'est qu'à long terme, c'est quelque chose qui ne peut pas être payant. Pourquoi? Parce que les neurosciences pensent aujourd'hui que peut-être vraiment qu'un des rôles du sommeil, c'est de permettre au cerveau de faire certaines tâches qui vont permettre de mémoriser et de comprendre. Je pense qu'on est assez nombreux à se coucher parfois le soir avec des problèmes qui n'ont pas été réglés en tête, et d'avoir la surprise de se réveiller le matin avec finalement une solution toute prête qui nous arrive spontanément. On a également fait pas mal d'expériences où on a demandé à des groupes de volontaires de mémoriser un groupe de mots, par exemple, dans un vocabulaire étranger. À certains d'entre eux, on leur a proposé de faire une sieste, une mini-sieste entre le moment de la mémorisation et le moment de la restitution. Et bien sûr, on ne l'a pas proposé au groupe cobaye, enfin, au groupe volontaire référent, pour pouvoir comparer les résultats. Vous avez compris ma conclusion, c'est que le groupe des volontaires qui ont fait la sieste vont se rappeler de beaucoup plus de mots que le groupe des volontaires qui n'ont pas fait la sieste. Pendant le sommeil, le cerveau va rejouer en accéléré tout ce qui s'est passé dans la journée, et avec d'ailleurs des objectifs de cette revisite en accéléré qui seront différents selon les différentes phases du sommeil. C'est pour ça que les 7 heures sont vraiment nécessaires. Et c'est grâce à cet accéléré que le cerveau va pouvoir mieux comprendre et passer des informations qui étaient dans une mémoire plus à court terme, les passer dans une mémoire à long terme. Donc, c'est absolument primordial de se dire 7 heures par nuit sur la durée, c'est que c'est une règle d'hygiène qui est vitale pour notre cerveau. Donc, la conclusion de cette partie sur le cerveau, c'est de se dire finalement, on peut avoir confiance dans notre cerveau. En revanche, il faut avoir aussi la conscience que ça va nécessiter des efforts et qu'il faut persévérer. Mais que grâce à cette persévérance, il n'y a pas de raison de ne pas réussir, de ne pas progresser et réussir, à la condition, et c'est donc l'introduction à ma deuxième partie pour ce soir, de mettre un peu de méthode en plus, de se faciliter la tâche. Donc, nous allons aborder l'attention, la mémorisation, la compréhension et quelques conseils pratiques tels qu'un planning standard, par exemple. Vaut-il mieux travailler le soir ou le matin? Vers 5 heures, ma fille tombe de sommeil le soir. Là, typiquement, on est vraiment dans ce que je disais en introduction, qui est qu'il faut personnaliser. Et qu'effectivement, moi, je suis très du matin. Je me lève à 6 heures et je commence à travailler. À l'inverse, autour de moi, certains ont besoin de 2 heures pour se mettre en marche. C'est très important de s'observer. Si à 5 heures, votre fille tombe, il vaut mieux ne pas persévérer ou faire des choses qui sont peut-être plus ludiques et qui vont permettre de davantage la garder concentrée et attentive, mais de ne pas mettre des travaux qui sont des travaux trop compliqués. Peut-être qu'en fin de journée, on peut se dire que c'est le moment de mettre en forme des choses, et je pense par exemple à ces fiches de révision. Si on se dit que c'est trop tôt pour arrêter de travailler, consacrer la dernière partie de la journée sur des choses qui demandent moins de concentration et donc moins d'énergie, et je dirais bien par exemple des fiches de révision. Mettre en forme des fiches de révision ou surligner un cours, par exemple, avec des couleurs différentes pour nous aider à le réviser dans un deuxième temps. Mais pas faire d'efforts de mémorisation, c'est effectivement du temps perdu. Ou en tout cas, vous verrez le planning que je propose, avoir des plages aussi qui sont peut-être plus courtes de travail. Donc, c'est aussi une autre façon de regarder ça. Alors, on va parler donc, comme je vous disais, de l'attention. Je vais, donc comme vous l'avez compris, hein, mon objectif, c'est faire en sorte que vous puissiez sensibiliser les étudiants sur un truc qu'ils ne maîtrisent absolument pas, et c'est terrible pour nous enseignants, c'est que finalement, tout passe par l'attention.
Les neurosciences vont dire que l'attention, c'est la porte d'entrée, c'est-à-dire que c'est ce qui va permettre au reste des compétences, entre guillemets, du cerveau de pouvoir se mobiliser. Donc, si on n'a pas, on fait pas attention, on ne va pas mémoriser, on ne va pas comprendre, on ne va pas être capable de réfléchir. Et bien sûr, et ça vous le savez tous, on a l'impression qu'on est attentif, on a l'impression que c'est facile, on a l'impression qu'on peut faire plein de choses en même temps, et bien sûr, ce n'est pas vrai. Donc, le premier des points pour moi, c'est de faire en sorte que vous puissiez, comme nous le faisons nous en stage, faire comprendre à la jeune génération que nous, on ne peut pas faire tout en même temps et que oui, on a l'impression de le faire, mais on ne le fait pas bien. Je pense que vous voyez bien de ce dont je veux parler. Alors pour ça, avant, pardon, je vais vous proposer là de regarder une vidéo. Mais avant, bien sûr, quand on parle d'attention, de quoi on parle? Et comment on peut montrer que c'est finalement assez fragile. J'ai pris un exemple là, qu'on a tous vécu, c'est on arrive à l'aéroport un peu en retard, juste à temps pour prendre un avion. Et là, on est vraiment dans un comportement qui est l'illustration d'une attention totale, vraiment, 100% d'attention. On est en alerte, ce qu'on appelle l'esprit en alerte. On va rechercher tout de suite les panneaux où les vols de départ sont annoncés. On va vite rechercher le vol qui nous correspond, identifier le guichet, etc., sans vraiment voir quoi, rien d'autre. Et bien sûr, pas se laisser distraire par les publicités, par les passagers qui peuvent même peut-être nous bousculer sans qu'on y prête attention. Etc. etc. Voilà. Donc, en sens cognitif ou en neurosciences, on appelle attention l'ensemble des mécanismes par lesquels votre cerveau va sélectionner les informations. Votre cerveau est obligé de sélectionner parce qu'il y a tellement de stimulus ou de stimuli, si vous voulez appliquer le pluriel du latin, autour qu'il faut, pour être vraiment marqué par certaines choses, faire l'impasse sur d'autres choses. Et en revanche, du coup, le fait de gommer certaines informations et typiquement les autres passagers qu'on croise va nous permettre d'amplifier, d'approfondir et de vraiment traiter de manière privilégiée les informations qui nous intéressent. Voilà. Notre cerveau étant bombardé, là aussi, il est obligé de faire un tri pour se concentrer sur ce qui est le plus utile et céder des informations qu'il juge essentielles. Et de la même façon, finalement, décider des informations qui sont les plus importantes, ça va être aussi essentiel pour l'apprentissage. En revanche, et c'est la deuxième partie de ma petite histoire, si tout d'un coup vous croisez un ami, hein, qu'il vous appelle, un ami proche, auquel vous avez besoin de parler avant de partir, vous appelle, le message va s'afficher sur votre téléphone, tout d'un coup ce message va être jugé prioritaire, vous allez répondre, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le guichet que vous aviez en tête, il va disparaître de votre tête. Immédiatement. Voilà. Immédiatement, vous allez oublier le guichet auquel vous alliez vous rendre, ou immédiatement, vous pouvez oublier un numéro de téléphone que quelqu'un vient de vous dicter, etc., etc. Donc, on voit bien l'importance du choix que votre cerveau porte sur je me concentre maintenant sur telle information, et du coup, sans le savoir et sans en avoir vraiment conscience, finalement, je vais oublier une partie de l'information que j'avais en mémoire il y a 2 minutes. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on appelle l'attention, cette capacité à se centrer sur des choses, et c'est nécessaire pour apprendre. Il y a une vidéo que je partage habituellement avec les étudiants. Je vais essayer de la partager avec vous, donc j'espère que la technique, comme on dit, va suivre. Cette vidéo, elle est un très bon exemple de ce phénomène de l'attention et de leur fragilité, finalement. J'arrive à trouver où je peux partager. Là, normalement, je ne partage plus rien avec vous. Bien sûr, ce qui devait arriver arriva. Hop. Toc. Partager. Donc, normalement, vous voyez la vidéo qui s'affiche. Est-ce que sur le chat, vous pouvez me dire si vous voyez bien la vidéo? Oui? Enfin, elle n'est pas lancée, mais l'écran qui va permettre de lancer la vidéo. Ouais. Alors, je vais lancer cette vidéo et elle dure 2 minutes ou 3 minutes et on se reparle après. Ces livres m'ont éclairé. Donc, c'est ça que je vais essayer de partager avec vous. Et on va commencer par une petite expérience.
Peut-être que vous la connaissez. Si vous la connaissez, dites rien. Faites comme si. Si vous ne la connaissez pas, dites rien non plus. Je vais vous montrer un petit film d'une minute. Et il y a une contrainte, en fait, un défi. Le film va vous montrer des joueurs de basket avec une équipe en blanc, une équipe en noir. Votre objectif, c'est de compter le nombre de passes que se font les gens de l'équipe blanche. D'accord ? Les gens de l'équipe noire, vous en foutez un petit peu, ils vont se faire des passes aussi, ils vont peut-être faire des choses qui vont vous perturber, essayer de gêner votre attention, mais le but est simple, c'est de compter les passes blanches, toutes les passes blanches. D'accord ? Ne dites rien, restez, s'il y a une passe qui vous semble bizarre ou quoi, dites, gardez ça pour vous, l'idée c'est que chacun le fasse dans sa tête. Et après, je vous demanderai combien vous avez eu de passes. D'accord ? Vous êtes prêts ? C'est parti. Avant de réagir autrement que la réponse à la question, combien il y a de passes? Combien vous en avez compté? Quelqu'un peut me dire combien il y a compté? 16? 15? Ah, 15 ou 16? Alors, certains d'entre vous ont peut-être remarqué qu'en fait, on s'en fout royalement. Est-ce que vous avez pu compter le nombre de passes aussi en regardant cette vidéo? Est-ce que vous avez fait l'exercice? Bon, a priori, je ne sais pas si vous avez fait l'exercice. C'est important, si vous partagez cette vidéo en famille, de faire l'exercice. Ouais, d'accord, merci Hélène, de faire l'exercice pour pouvoir profiter de la suite que je vous mets maintenant. De passe. Dans ce film, il s'est passé un truc bizarre à un moment donné. Qui parmi vous a vu quelque chose de bizarre? Qui n'a rien remarqué de bizarre? Ah ben, il y en a qui n'ont pas levé la main, donc vous n'avez pas regardé le film en fait. Donc quelques personnes, d'accord. Le truc bizarre dans ce film, effectivement, c'est qu'en plein milieu du film, je vais vous repasser le bout correspondant, il y a un gorille qui arrive ici, qui se met là, voilà, et qui ne se cache pas. Hein, voilà. Et quand les personnes ont fait le test ici, Simons et puis l'autre personne qui a écrit le livre, je vais en parler tout à l'heure, donc quand ils ont réalisé cette expérience, en fait, ils l'ont fait vraiment avec des gens, hein, ils ont compté le nombre de gens qui voyaient en fait le gorille, qui s'apercevaient qu'il y avait un gorille, et le nombre, c'est 50%. Il y en a 50% qui, effectivement, voient le gorille et en gros, 50% qui ne le voient pas. Là, ce qu'on a vu ensemble, ce n'est pas tout à fait représentatif. Alors après, je vous parle de gorille depuis tout à l'heure. Peut-être que ça vous a influencé, je ne sais pas. Mais quand on le fait dans des conditions propres, la moitié des gens ne voient pas, ne se rendent pas compte qu'il y a un gorille qui est en train de passer. Voilà. Donc, j'ai vu un excellent. Donc, je pense que je repars sur ma présentation. Vous voyez de quoi je veux parler? Alors, je remets la présentation, partager l'écran, excusez-moi, je change. Hein. Voilà, donc normalement, vous devez revoir à nouveau la présentation qui s'affiche. Donc effectivement, c'est incroyable. Moi, la première fois, maintenant, je connais ça par cœur, donc je vois le gorille, bien sûr. La première fois que j'ai fait l'expérience, et bien sûr, je n'ai pas vu le gorille. Hein. En fait, on est tellement concentré sur quelque chose, à savoir compter les passes, que quelque chose qui est tellement énorme que ça, ben finalement, on arrive à ne pas le voir. C'est au-delà de l'entendable et de l'acceptable. Donc, c'est une première expérience que je voulais partager avec vous pour vous montrer comment on peut peut-être parfois ébranler la certitude qu'on a tous de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Ben non, on ne peut pas compter les passes et voir un gorille. Voilà. Pourtant, ça ne paraît pas très compliqué. Hein. Je fais avec les étudiants aussi un autre exercice. On ne va pas le faire pour ne pas y passer trop de temps, parce que je vous dis, l'idée, c'est que vous puissiez vous le partager en famille. J'ai deux exercices à vous proposer encore. Le premier, c'est... je viens de vous faire apparaître un texte
Et je vais vous demander de compter, de vous, pareil, de vous donc prêter attention, vous concentrer sur un exercice en particulier qui va être de compter le nombre de fois où la lettre S, comme Sophie, apparaît. Le texte étant « Non, la science n'est pas une illusion, mais ce serait une illusion de croire que nous puissions trouver ailleurs ce qu'elle peut nous donner. » Et c'est signé Sigmund Freud. Donc, on laisse en règle générale quelques minutes, ce n'est pas très long comme exercice à faire, de façon à ce que chacun puisse compter le nombre de S. Bien sûr, donc, comme tout à l'heure sur le nombre de passes, la question est combien avez-vous compté de S? Bon, la réponse est 14, peu importe encore une fois la réponse, c'est exactement le même principe. Maintenant, est-ce que vous pouvez, une fois que vous avez fait cet exercice de compter le nombre de S, est-ce que vous pouvez me résumer, pas me la donner par cœur, mais au minimum me résumer le sens de cette citation? Et là, en règle générale, on n'est pas à 50%, on est à 80% largement de personnes qui sont incapables, effectivement, de dire ce qu'il y avait dans cette citation. Donc, juste pour ne pas que vous soyez frustrés, voyez la citation en question. Donc oui, elle n'était pas simple, mais à partir du moment où on est concentré sur quelque chose, il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et c'est ça, en fait, le discours que je veux tenir. Dernier exercice. On propose à des étudiants de dire à haute voix bla 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 bla, c'est très simple, hein, bla 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 bla, et on ne s'arrête pas de dire bla bla bla, sachant que je vais faire apparaître une suite de chiffres et je vais vous demander, tout en continuant de dire bla 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 bla, de la mémoriser. Cette suite de chiffres, elle est facile. Elle est très très logique, à une petite exception près, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une toute petite difficulté. Mais l'exercice, c'est de se dire, est-ce que vous êtes capable, en regardant ces chiffres qui vont apparaître, de vous mettre en mémoire ces chiffres tout en disant blabla. Bla 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 bla. Est-ce que je peux faire en même temps que bla 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 l'effort de mémoriser, de me mettre en tête ces quelques chiffres finalement assez simples. Facile ou difficile? Eh bien, normalement, vous devriez dire que c'est plus difficile, en tout cas, que ce que vous aviez prévu. Ou en tout cas, ce que vous auriez pensé sans avoir fait l'exercice. Alors, tout ça, pourquoi? Eh bien, tout ça parce que, et ça, c'est encore une fois, les neurosciences et l'imagerie cérébrale est formidable pour ça. Elle nous montre que le cerveau ne peut pas faire deux choses si ça correspond à la mise en activité de zones du cerveau qui sont les mêmes. Là, vous voyez les cerveaux, les zones bleues, des zones verte, etc., etc. Oui, on peut parler, faire du vélo, mais on ne peut pas dire blabla et mémoriser une suite de chiffres en même temps, parce que ça fait appel à des zones identiques du cerveau, et que le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps à partir du moment où ses actions requièrent l'utilisation des mêmes zones du cerveau. Est-ce que ce que je viens de vous dire est clair? Est-ce que je peux vous demander de faire oui, non? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires sur le chat? Apparemment, ça a l'air d'être clair pour l'instant. Voilà. De la même façon, et du coup, pour être plus dans notre quotidien, quand on rédige un SMS, oui, les bavardages, on ne peut pas être pleinement concentré sur un cours ou une prise de parole. Mais c'est vrai, en réunion, nous aussi, hein, moi, je le dis avec des gens avec qui je suis en réunion, vous entendez, c'est vrai? Mais vous ne pouvez pas entendre plus peut-être que la dernière phrase de quelqu'un. Avec un prof, c'est pareil. En réunion sur un intervenant, c'est pareil. Si vous rédigez un texto, oui, vous allez avoir l'impression que vous allez entendre un brouhaha. C'est dans votre environnement. Mais vous n'allez pouvoir vraiment capter et utiliser de manière efficace que la dernière phrase. Et donc, vous voyez la déperdition. Je pense qu'en tant que parent, vous êtes convaincu, comprenez quel est votre rôle. Voilà, en conclusion, de façon de dire les choses que je trouve très pertinentes, hein, ce que l'on voit, on le sait, ça c'est sûr. En revanche, qu'on ne le voit pas, on ne le sait pas. Le gorille qu'on n'a pas vu, on n'en a pas conscience. La partie du cours qu'a dit le prof, mais qu'on n'a pas mémorisé et capté, on n'en a pas conscience non plus. Donc, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que ces exercices de sensibilisation et de pratique tous ensemble en famille, qui sont d'ailleurs assez ludiques, je pense qu'ils sont très, très utiles pour faire toucher du doigt à chacun d'entre nous que, bah, y a plein de choses qui nous échappent et qu'on ne s'en rend pas compte. Le cerveau nous joue des pièges, des tours en permanence. On appelle ça les illusions du cerveau. On pense qu'il se passe plein de choses, en fait, qui ne se passent pas du tout. Et comme on n'en a pas conscience de ce qui manque, on ne peut pas le savoir.
Donc, oui, alors même mieux, certaines études sur ce fameux, cette fameuse chose-là qu'on a tous ont montré que c'était bien mieux si on ne mettait pas le téléphone sur le bureau. On peut avoir tendance à dire, et on le fait tous d'ailleurs, je le mets en mode avion. Mais sauf que si on le met en mode avion, souvent, on a une petite lumière ou un petit bip quand même qui ça. Alors, pas mode avion, mais en silence, par exemple, on a un petit bip ou une petite lumière qui clignote quand on a un nouveau message. Or, oui, on peut faire l'effort de ne pas regarder les messages, bien sûr, et on le fait et on y arrive. En revanche, alors c'est pareil, ça s'appelle le circuit de la récompense. C'est très compliqué et très coûteux en termes d'énergie de ne pas répondre à quelqu'un qui nous envoie un message et qui nous dit grosso modo qui est important pour nous ou qui nous répond à une question qu'on a posée. Et donc on va s'interdire de regarder ce téléphone, mais ça va nous coûter beaucoup d'énergie. Cette énergie, on ne va pas pouvoir la mettre au service de nos cours. Donc la meilleure des choses, c'est cette chose-là, de le mettre dans une boîte. Les professeurs chez PGEPGEO, certains d'entre eux, quand on est en présentiel, on dit qu'on les met, on met ça, on fait une boîte à doudou, on le met dans un coin, et puis de temps en temps, on va chercher notre doudou, le téléphone, et on l'utilise toutes les 20 minutes. On a 2 minutes pour utiliser notre téléphone, comme ça, on n'est pas stressé de ne pas regarder notre téléphone, et le reste du temps, on le cache, et on n'a pas cette fichue tentation de regarder son téléphone. Alors bien sûr, cette attention, elle peut pas être 100% du temps. Et d'ailleurs, parfois, les étudiants disent, oui, mais le professeur, il raconte des histoires, il raconte sa vie, etc. C'est parce qu'on sait qu'il y a des décrochages nécessaires, obligatoires, que parfois on donne des moments de respiration aux étudiants et on en profite pour digresser, raconter peut-être des anecdotes ou rajouter des exemples qui ne sont pas forcément utiles. J'utilise moi l'image de la poutre. C'est-à-dire que quand on est sur une poutre, on est en équilibre, mais de temps en temps, on a des légers déséquilibres. Et il est important de savoir ça, d'accepter ces légers décrochages. Et en revanche, grâce à cette conscience de la fragilité de notre attention et du fait qu'elle peut être fluctuante, prendre l'habitude d'être attentif au bon moment, au point essentiel du cours, quand le prof est une synthèse, quand le prof va donner des consignes sur un devoir, etc., etc. Il y a vraiment des moments clés. Lâcher l'attention quand le prof est en train de raconter sa vie, c'est autant profiter de ce moment de respiration de façon à se remobiliser quand on sent qu'on est sur la conclusion d'un chapitre ou la synthèse d'un cours qui vient d'avoir lieu. Alors, l'application concrète pour rendre les choses encore un peu plus concrètes, c'est de se dire, par exemple, quand on relit une copie, la plupart des étudiants se disent qu'ils vont relire à la fois le sens et l'orthographe. Pas du tout. Commencez par relire le sens. Et dans un deuxième temps, faites une relecture qui est uniquement à la chasse des fautes d'orthographe. Si vous faites les deux en un, bah, aucun des deux tâches, deux missions ne sera vraiment réalisé de manière satisfaisante. Lors d'un examen, commencez par avoir une lecture complète de l'énoncé pour comprendre le sens général. Ensuite seulement, soulignez les mots-clés. Vous saurez quels mots sont clés, puisque vous aurez compris le sens général dans un premier temps. Combien d'étudiants ouvrent un énoncé et commencent à ouvrir leur stabilo et commencent directement, au fur et à mesure qu'ils lisent cet énoncé, à stabilo-bosser, à surligner les mots qu'ils pensent être des mots-clés. Ils n'en savent rien, puis ils n'ont pas compris encore le sens général du problème qu'ils vont avoir à traiter. En classe, on ne vient pas en touriste, hein. On ne parle pas bien sûr à sa voisine, mais on ne vient pas non plus en touriste. L'apprentissage n'est pas, on n'est pas comme on ouvre la bouche et on va recevoir le professeur avec son arrosoir, va nous déverser son savoir dans notre tête. Ce n'est pas vrai. Il faut faire l'effort d'avoir envie de comprendre, avoir envie d'apprendre et de se rappeler. Et donc un exercice là qui un peu plus compliqué, mais pour ceux qui sont les plus à l'aise, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est se dire, quand je suis en cours, j'écoute le prof en me disant que mon projet, mon objectif, sera ce soir d'être capable de résumer ce que j'ai appris sans ouvrir mes notes, juste de tête. Et donc, je vais être vraiment dans cette posture
d'avoir une attention utile en pratique. C'est important d'avoir un projet. On n'est pas attentif pour rien. Le cerveau ne va pas se mobiliser pour rien. Il va se mobiliser s'il a une raison de se mobiliser. Et donc, si on se dit, si on se donne comme objectif, comme projet, le mot projet est très important en pédagogie, j'ai le projet de pouvoir réécrire mon cours sans ouvrir mes notes ce soir. Eh bien, forcément, l'attention, elle va se faire beaucoup plus naturellement. Après, on va plus loin avec les étudiants en leur expliquant, s'ils sont visuels, auditifs, bien sûr, comment travailler pour développer ces évocations et donc sa capacité à être attentif. Mais pour ce soir, déjà, c'est, je pense, une bonne sensibilisation sur le mécanisme de l'attention. Voilà, sur ce sujet de l'attention, ce que je voulais partager avec vous. Je vous avais promis un dernier conseil pratique sur un planning. Donc oui, la capacité du cerveau n'est pas finie, tant sur ses capacités à se concentrer, à mémoriser, mais aussi ce qu'on appelle la mémoire de travail. Il y a des moments où, bon, de toute façon, moi j'appelle ça le syndrome de la tête comme une pastèque. On a vu tout à l'heure que certains d'entre nous s'endormaient tôt. Il y a un moment, de toute façon, ça ne sert à rien. En règle générale, on propose un rythme de travail qui est celui-ci, qui est assez compliqué parce que ce sont des plages de travail beaucoup plus courtes que celles qu'on fait d'habitude. Et ça, c'est un peu aller contre des automatismes qu'on a ancrés depuis très longtemps. Donc l'idée, c'est de se dire, on va faire 4 fois des plages de seulement 20 minutes de travail intensif. Entre chacune de ces plages de 20 minutes, on va faire 5 minutes de pause. Donc on va faire 20 minutes de travail intensif, même si je n'ai pas terminé ce que je suis en train de faire, je me lève, je vais prendre un verre d'eau, j'ouvre la fenêtre. Juste quelques secondes, histoire de vider ce qu'on appelle la mémoire de travail. On revient sur une autre plage de 20 minutes, repose de 30 secondes à 1 minute, et ainsi de suite, 4 fois. Et après, on aura traité un chapitre à part entière, et là, on va se faire une vraie pause de 20 minutes où on va vraiment vider un peu plus, on va dire, pour employer un vocabulaire un peu abusif, mais en tout cas simplifié et pas si faux, vider un peu plus notre tête de façon à pouvoir passer à la matière une autre matière peut-être dans un deuxième temps. Donc ça, c'est un planning qui est vraiment le planning le plus efficace pour que chaque minute de temps de travail soit 100% efficace, sachant qu'il y a en plus ce qu'on appelle l'apprentissage tuilé, donc ça veut dire qu'on va se télescoper un peu les matières, qui va conserver ce timing de 20 minutes, pas plus, de travail intensif, mais qui va en plus s'intercaler des matières. Pourquoi? Parce que, et ça je l'ai traité dans la mémorisation, le cerveau n'apprend pas une seule fois. Le cerveau a besoin d'oublier, de revenir pour vraiment consolider, ancrer davantage les apprentissages. Et donc, il est nécessaire d'apprendre quelque chose, de se donner le temps de l'oublier et de le réactiver, de le réviser, si possible assez vite après la première phase de travail où on a commencé à mémoriser, parce qu'on a peu perdu, et donc ça sera plus facile de réactiver. Donc, pour vraiment apprendre dans la durée, il faut apprendre une première fois, oublier et réviser une deuxième fois, et ça dans un laps de temps assez court. Et du coup, notre planning de révision, en fait, ces 4 séances, il est plus malin de les organiser sur 2 matières. Par exemple, on fait 20 minutes de maths intensif. On fait, alors là, j'ai ces 5 minutes, j'avais mis 2 minutes tout à l'heure. On va dire 2 à 5 minutes de pause. On va boire son verre d'eau, on s'oxygène, on se lève, on décontracte aussi son corps. Et après, les 20 minutes suivantes, on ne va pas reprendre du maths, mais on va laisser le temps aux maths d'être oubliés. Et du coup, on va faire 20 minutes de français. Pause. Et bien sûr, la troisième séance de travail, eh bien, on va revenir sur ces maths. Et donc, ces 20 minutes de travail intensif, on va les faire commencer par 5 minutes qui vont nous permettre de réviser le travail qu'on a fait pendant la première séance de travail. Et on va enchaîner sur une matière, un contenu nouveau pendant les 15 minutes qui vont rester. On s'arrête, et bien évidemment, de la même façon. La séance de travail de français, on va la commencer par une séance de réactivation de ce qu'on a fait en français, il y a une demi-heure à peu près, 25 minutes de ça. Voilà. Donc ce planning-là, c'est vraiment le planning le plus efficace. Je vous dis, il est difficile de s'y cantonner, encore une fois, quand on parle de méthode aux étudiants, finalement, on passe la moitié de notre temps à lutter contre des automatismes. Et c'est bien normal, des automatismes, parce qu'ils ont appris à être étudiants sur leur base, finalement, de leur bon sens.
ou de leurs observations, mais personne ne leur a expliqué comment le cerveau fonctionnait et comment finalement optimiser tout ça. Donc parfois, il est nécessaire un peu de déconstruire certaines pratiques pour mettre en place des pratiques qui vont être plus efficaces. Voilà, donc étudiant, c'est un métier qui s'apprend, mais finalement, avec du temps, de l'effort et des bonnes pratiques, on peut largement progresser. Voilà ce que je vous ai voulu partager avec vous. Vous allez trouver à la fin de cette présentation donc un peu plus de détails sur les stages qu'on propose et en particulier sur les spécialités là de Noël, parce qu'on est en plein dans les méthodes de travail et que Noël, finalement, on a fait 50% du programme des spécialités. Or, si vous regardez mes vidéos sur la mémorisation, vous verrez que c'est très, très important de réactiver rapidement parce que plus on attend, plus on aura oublié, plus ça va être compliqué. C'est aussi important à Noël de travailler sur des méthodes pour optimiser ses fiches de révision et pour avoir une deuxième partie de l'année qui est plus efficace. Donc, c'est vrai que vous allez trouver un peu des informations sur comment on fait en sorte pour que ces stages soient efficaces, comment on transmet des méthodes. Et puis, bien sûr, la fin de cette conférence, elle est que, quelles que soient les questions sur les stages ou sur ce contenu que je partage avec vous, quelles que soient les questions complémentaires que vous avez, un, vous allez recevoir des mails avec des liens pour récupérer les vidéos, des liens pour revoir les PowerPoints ou même les PowerPoints sont en pièce jointe, je ne me souviens plus. Et puis, vous avez là un contact par mail, un contact par téléphone. On reste tout le temps disponible pour répondre à vos questions, de quelque nature qu'elles soient. Voilà, j'espère que ce contenu, on a passé un tout petit peu moins d'1 heure, ce qui était prévu, ce contenu vous a apporté un éclairage. Je vous engage vraiment à partager ça en famille. Je vous engage à regarder aussi les vidéos sur la mémoire et sur la compréhension. Et puis, pour terminer, j'espère avoir l'occasion d'échanger à nouveau, soit par mail, soit par téléphone, soit à l'occasion d'un autre atelier qu'on pourra organiser. En particulier, je ne vous l'ai pas dit, mais j'organise en janvier, je crois que c'est le 17 ou le 19 janvier, un atelier en binôme avec un conseiller d'orientation spécifiquement dédié à Parcoursup et comment optimiser la meilleure des stratégies pour optimiser le choix de ces fameux 10 vœux que vous devez faire d'ici à la fin du mois de mars. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette attention que vous avez eue. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, bon courage pour cette année qui est stressante pour tout le monde, mais qui, merci beaucoup pour les applaudissements, et qui va bien se passer en s'y mettant tous. Voilà. À très bientôt, bonne soirée, au revoir.